Et bonjour la France, comment ça va? Alors, j'ai fait une vidéo parce que on m'a envoyé, je ne le savais pas, de ce jeune-là, Yuri apparemment il s'appelle, qui s'est fait détruire par une dizaine de personnes. Alors j'ai vu, c'était clé à molette, bar, enfin tout était autorisé quoi. Et quelle est la leçon à prendre là-dedans? Que l'être humain peut être le plus gros enculé du monde. Excusez mon langage, mais c'est la vérité. Quand on voit une vidéo comme ça, on ne peut pas utiliser de dire c'est des fripouilles. Non, c'est des enculés, des gros enculés qui ont fait ça. Peu importe la raison, tu ne te mets pas à 10 contre 1, mais bon, c'est la loi humaine, tu sais. Alors quand je vois qu'il y en a qui me disent, mais j'en t'es vulgaire, mais quand tu vois une vidéo comme ça, il faut que les mecs se réveillent. Il faut que les mecs se réveillent. C'est-à-dire que tu peux pas combattre des mecs comme ça avec du coton ou en parlant. Donc, quelle est la leçon là-dedans? Mais la leçon là-dedans, c'est que, un, savoir avec qui tu t'entoures. Parce qu'apparemment, j'ai lu qu'ils étaient plusieurs et qu'en fait, ils sont partis en courant. Et puis lui ça a été la. Ben, c'est comme, tu sais, c'était la brebis qui était trop lente. Quoi. Là, il s'est fait attraper. Alors, savoir avec qui vous entourez, important. Ne vous mettez pas avec des brebis, c'est pas possible, vous n'avez pas besoin d'en sortir. Parce que même les mecs qui font les cadeaux, dès qu'il y a une pression, et bien ça que tu vas avoir tes vrais copains. Et c'est pour ça que moi, depuis le début, je vous dis. Faites du pied-point, faites du MMA, faites de la frappe. C'est hyper important ça. Il faut en prendre plein la gueule et en donner plein la gueule. Aussi, mettez-vous avec vos copains, inscrivez-vous dans un club, que ce soit de boxe thaï, de MMA, ce que vous voulez. Inscrivez-vous et avec des copains, allez-y à plusieurs, travaillez des gens du club que vous ne connaissez pas, faites des sparring. Mais entourez-vous de gens qui sont, que s'il y a un cas de problème, qui seront là et qui vont faire face. Je vous le dis, si vous entourez de vos copains et que tu leur fais boue, ils s'en vont, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on dit toujours ça arrive aux autres. Non, la preuve à Yuri, c'est arrivé à lui. Donc, entourez-vous. Essayez toujours de marcher avec des gens qui seront là si vous avez besoin d'eux. Voilà ce qui est important à se rappeler. Travaillez, sparring, frappez. Vous n'avez pas besoin de boxer en compétition, mais vous avez besoin de faire des sparring. C'est hyper important. Donc, mettez-vous à plusieurs. Inscrivez-vous à plusieurs dans un club. Et puis vous inscrivez dans un club, vous travaillez ensemble. Et les week-ends, vous vous donnez rendez-vous, vous travaillez ensemble. Vous faites des scénarios, le gars va rentrer à 2 ou 3 contre 1. Travaillez, mettez des gants de 16-11. Et puis allez-y, frappez. Mais préparez-vous. Parce qu'encore une fois, ça arrive toujours aux autres. Qu'est-ce que ça vous arrive à vous? Voilà ce que je peux dire. Après, les mecs qui ont fait ça, c'est vraiment des enculés. C'est des ordures. Tu vois, c'est des ordures. Et ils s'en foutent à plusieurs. Mais ils sont toujours comme ça. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Maintenant, on le voit plus. Pourquoi? Parce qu'on a Internet, on a des téléphones portables. Pour la simple et bonne raison. Mais ce qui est pire, c'est que le mec a filmé, il a rien fait. Quoi. Donc, alors que si moi, je filmais là, c'est sûr que c'est 70, ça va faire mal. Quoi. Je vais me faire démonter. Mais si je suis avec un ou deux copains à moi qui avoient et qu'on est trois, eh bien, je peux te dire qu'on va y aller plein pot. Quoi. Le résultat, je ne garantis pas. Hein. Mais ce que je sais, c'est que ça va faire mal. Samedi, interview, quand je vous dis du lourd, c'est du lourd. Vous allez être surpris, vous allez être content. Vous savez, Cario, il ne déçoit pas. Quoi. La chaîne YouTube, elle est faite pour... je vais ouvrir les yeux aux gens, je vais interviewer des bons boxeurs, des bons profs, et même des pratiquants, des gens d'autres métiers. Tout ce qui va aider la communauté de la frappe, en fait, ça qui m'intéresse. Donc samedi, connectez-vous à 18h. Encore une fois, Cario, du lourd. Ciao.